Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une formation de prise en main de la plateforme pédagogique Pearl Trees, qui va donc se destiner aux débutants. Alors pour commencer, déjà Pearl Trees est une plateforme française qui existe depuis 2009. Elle va s'intégrer aux différents ENT des établissements scolaires, ce qui va par exemple vous garantir eh bien, que vous évoluez bien dans le cadre de confiance du numérique éducatif français. Tout le monde dans l'établissement pourra se créer un compte, comme le mien ici. Vous voyez, on voit le pseudo Monsieur Pierre qui apparaît tout en haut de ma page. Tout le monde dans l'établissement, ça veut dire tous les élèves, tous les enseignants et tous les personnels administratifs également. Tout le monde pourra donc organiser des ressources, comme moi vous voyez ici sur mon compte. En tant qu'enseignant, j'ai des ressources de classe, des espaces de collaboration, notamment un espace pour le rendu de devoir ici, et puis des espaces de collaboration qui vont plus concerner tous les membres de l'établissement, comme sur l'orientation ou encore l'administration. Tout le monde sur Pearl Trees va disposer d'un téra de stockage en ligne, ce qui représente 1000 gigas, individuellement pour les professeurs, pour les élèves et pour tous les personnels de l'établissement. Bien sûr, c'est accessible via le web, comme sur la version qu'on va travailler aujourd'hui en formation, mais vous avez également une application mobile et tablette qui vous permet, eh bien, d'accéder à votre compte Pearl Trees depuis n'importe où. Enfin, pour finir, à partir du moment où vous allez créer votre compte Pearl Trees, vous en serez propriétaire à vie. Nous ne viendrons jamais supprimer votre compte ni les contenus qu'ils sont à l'intérieur. Nous allons débuter cette formation de prise en main par une présentation des bases de Pearl Trees. Et bien sûr, dans les bases, nous avons déjà les trois espaces dans lesquels vous allez évoluer. En effet, vous allez avoir trois espaces dans Pearl Trees que vous allez retrouver à l'aide des trois boutons dans la partie supérieure gauche de votre écran. Je vais me permettre de zoomer sur cette partie de mon écran afin que vous voyez bien. Nous avons tout d'abord le bouton Mes collections en forme de petite maison qui va constituer notre bureau numérique. C'est là que vous allez retrouver l'entièreté de vos ressources et la manière dont vous les avez organisées. Alors bien sûr, vous ne serez pas seul sur Pearl Trees, vous allez être amené à interagir avec d'autres et toute cette interaction vont se retrouver à travers le bouton Mon réseau et ces trois silhouettes juste à droite de la maison. Finalement, vous allez retrouver sur Pearl Trees une bibliothèque de contenu avec le bouton en forme de livre ouvert juste ici. C'est notamment à travers ce bouton que vous allez retrouver les manuels granulaires ainsi que les ressources mises à disposition par les collectivités territoriales. Je redézoome un petit peu pour revenir sur ma page d'accueil et normalement la chose qui vous frappe hein, sur Pearl Trees, c'est le format carré de tous les éléments. On a des titres, nous avons des images et plein de ressources qui sont agencées selon une certaine organisation. Alors, il y a simplement deux objets dans Pearl Trees que vous allez être amené à manipuler. Et le premier, c'est ce qu'on appelle une perle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte le nom Pearl Trees. Une perle, c'est tout simplement les carrés que vous voyez juste ici. Ce sont simplement l'unité de ressources. Une perle, c'est une ressource, c'est une connaissance dans Pearl Trees et elles peuvent être de formes très variées. On peut bien sûr ajouter n'importe quel type de fichier, des fichiers audio, vidéo, des fichiers PDF ou de la suite Office comme Microsoft Word, mais on pourrait également ajouter un manuel granulaire ou une page web directement. Par exemple ici, en cliquant sur Présentation du cours, je vais afficher ma ressource. Et cette dernière n'est qu'un texte que j'ai écrit directement sur Pearl Trees, une ressource toute simple. Si je viens cliquer sur la petite flèche blanche juste à droite de ma présentation, je vais passer à la perle suivante. Et là, on est sur une introduction en PDF. Si je clique dessus, je vais afficher ma ressource que je peux bien sûr consulter directement. Je vais refermer ce PDF et je vais maintenant à nouveau cliquer sur cette flèche blanche à droite pour vous montrer la dernière ressource qui est pour le coup simplement une vidéo YouTube qu'on va retrouver lisible directement dans Pearl Trees. Vous l'aurez compris, ces perles peuvent revêtir de très nombreuses formes. On va pouvoir bien sûr les éditer, les personnaliser à volonté et surtout les agencer pour leur donner eh bien, du sens. Avec un geste qui est très important sur Pearl Trees, il s'appelle le glisser-déposer. Vous savez, c'est quand vous cliquez sur un objet et qu'avant de relâcher votre clic, vous déplacez votre souris. Au moment de relâcher le clic, vous déposez l'objet. Et de cette manière, vous allez pouvoir déposer bien sûr vos perles et les agencer n'importe où sur votre bureau numérique. Bien sûr, si vous commencez à avoir 1500 perles sur votre page, par exemple ici Monsieur Pierre, vous allez naturellement avoir envie de les classer dans des dossiers. Eh bien, c'est en fait le deuxième élément dans Pearl Trees. Si on prend deux perles ensemble et qu'on essaye de les assembler, nous allons créer ce qu'on appelle une collection. C'est tout simplement une boîte à perles dans laquelle nous allons agencer nos ressources. Alors bien sûr, les collections se comportent différemment des perles.
perles, ce ne sont pas des ressources à proprement parler. Du coup, quand je vais cliquer dessus, je ne vais pas afficher une ressource. Mais par exemple, si je clique sur ma collection terminale ici, eh bien, je vais plonger à l'intérieur de cette ressource pour voir ce qu'il s'y trouve. Comment faire rapidement, visuellement, la différence entre une perle et entre une collection? Car ici, j'ai trois, eh bien, perles et en dessous, je n'ai que des collections. Alors, je vais zoomer par exemple sur terminale pour que vous voyez bien qu'en bas à gauche, eh bien, de cette collection, de ce carré finalement sur Pearl Trees, je retrouve des pictogrammes. Ici, un pictogramme en forme de cadenas qui va venir m'indiquer que la collection est privée, donc que je suis le seul à pouvoir y avoir accès. Après, j'ai le chiffre 33 qui va en fait indiquer que 33 perles viennent composer cette collection. C'est la même chose pour toutes les collections, vous avez toujours ces pictogrammes en bas à gauche qui vous donnent ces informations principales. Si je reviens sur mes perles de tout à l'heure, vous voyez que ces carrés ne comportent pas de pictogrammes. Nous sommes donc face à des perles uniques et donc des documents et non pas des dossiers. Si je clique donc sur Terminal, à la manière d'une page internet, je vais eh bien, changer de page et passer à cette page terminale qui, vous voyez, peut être facilement personnalisable. Vous allez avoir bien sûr le choix de créer les collections qui vous ressemblent, en tout cas que vous souhaitez mettre en place. Ici dans Terminal, vous voyez, j'ai encore trois sous-collections. On peut mettre des collections dans des collections à l'infini et ainsi constituer l'arborescence de son choix sur ce bureau numérique. Je vais passer de collection en collection. Voici, je suis dans la collection sciences économiques, donc je vais retrouver mes cinq chapitres de sciences économiques pour mes terminales. Et en cliquant par exemple sur le chapitre 4 sur les crises financières, vous voyez un peu à quoi peut ressembler une page de cours avec bien sûr des sous-chapitres, des sections finalement dans Pearl Trees, des éléments de cours, des études de documents organisées dans ces collections et puis des fiches de révision. Nous allons également pouvoir, par exemple ici, en ressources complémentaires, ajouter des ressources qui proviennent d'autres applicatifs, hein, qui sont d'autres exercices. Par exemple ici, les QCM et les quiz de cuisinière pourront être ajoutés sous la forme de perles dans Pearl Trees. Donc, vous voyez ici, j'ai mon quiz qui est une perle. On ne retrouve pas d'indication en bas à gauche. Si je clique dessus, je vais afficher mon quiz. Et donc vous voyez, bien sûr, mon QCM est interactif. Je peux le remplir directement depuis Pearl Trees. Et bien sûr, par exemple, mon texte à trous ici et l'envoyer pour correction à mon enseignant directement. Alors bien sûr, vous allez voir l'intérêt, c'est de pouvoir à la fois tout organiser et tout centraliser. Pour l'élève, ça ne fait qu'une porte d'entrée pour toutes ses ressources. Alors pour faire tout ce que je vous ai montré, hein, vous voyez, il n'y a que deux objets, les perles et les collections. Et pour créer ces perles et ces collections, vous n'avez besoin que de deux boutons, et ce seront les boutons que nous allons aborder durant cette formation de prise en main. Je vais me permettre de zoomer sur cette partie de mon écran qui compose une suite de boutons, juste après le titre de ma collection. Les deux boutons qui vont m'intéresser pour les fonctions créatrices de Pearl Trees, ce sont tout d'abord le bouton plus, juste ici le bouton ajouter qui permet de créer, d'ajouter une ressource. Mais bien sûr, une fois qu'on aura ajouté une ressource, une collection ou une perle, on aura peut-être envie de modifier l'un ou l'autre de ces paramètres, l'image, le titre, peut-être même le contenu. Auquel cas, nous allons utiliser le deuxième bouton, le bouton éditer, juste ici en forme de calepin et de stylo, va nous permettre eh bien, d'agir sur chaque des éléments, les perles et les collections, pour les modifier et donc pour les intégrer bien sûr dans notre compte. Vous allez simplement, et je mentionnerai ces deux boutons pour terminer, utiliser ces deux flèches de navigation à la manière d'un navigateur internet. Si vous cliquez sur la flèche vers l'arrière, vous allez revenir à la page précédemment consultée. Vous voyez, je reviens dans la boîte sciences économiques et ainsi de suite, je vais remonter dans mon arborescence jusqu'à ma page d'accueil, Monsieur Pierre. Alors maintenant que vous maîtrisez les bases de Pearl Trees, je vous propose de commencer cette formation de prise en main par la création de votre première collection. On va construire des collections et les personnaliser pour les rendre attrayantes, pour les rendre le plus vivantes possible, pour pouvoir permettre bien sûr aux élèves de plus facilement s'immerger dans ces collections, donc plus facilement ancrer les notions et les compétences du programme. Vous allez bien sûr, pour créer ces collections, utiliser, vous vous en doutez, le bouton plus, qui est tout en haut à droite de votre pseudo sur votre page d'accueil, ou bien qui se trouve au centre de votre page, si vous êtes eh bien, sur un compte qui n'est pas encore rempli de perles ou de collections, un compte vide. Pearl Trees vous invite rapidement à ajouter des ressources. Ces deux boutons ont bien sûr la même utilité. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver avec ces différentes options. Pearl Trees vous propose de bien sûr ajouter ou créer votre première collection, ou ajouter une ressource qui provient d'un manuel granulaire, les manuels numériques sur Pearl Trees. Vous pouvez également bien sûr ajouter des images, des pages qui proviennent du web, bien sûr des fichiers de votre ordinateur, ou bien de commencer à rédiger une note directement depuis Pearl Trees via ce bouton.
Alors, je vais commencer moi par ici créer notre première collection. En cliquant ici, on va se retrouver donc dans le menu de paramétrage de la collection. La première chose à choisir, c'est le titre. Et il est obligatoire pour créer une collection. Je choisis la crise de 1929. En dessous, j'ai un éditorial qui est pour le coup optionnel. Je ne suis pas obligé de le remplir. Ça va simplement être une zone de texte qui va apparaître en entête de notre collection. Ça peut servir à mettre des consignes ou à mettre du contexte sur la séquence. Moi, par exemple, je vais mettre séance du 4 septembre. Alors avant de finir de créer la collection, faites très attention aux paramètres tout en bas de la collection et notamment à celui-ci, le paramètre de visibilité. En effet, vous allez pouvoir choisir le niveau de visibilité d'une collection et donc qui peut accéder à ce qui se trouve à l'intérieur. Vous allez cliquer ici pour changer ce niveau de visibilité. Les différents choix sont la visibilité publique, d'abord avec le pictogramme en forme de planète. Si vous choisissez ce niveau de visibilité, c'est tous les utilisateurs de Pearl Trees, même qui ne se trouvent pas dans l'établissement, qui peuvent accéder à vos ressources. Si par contre vous choisissez le niveau de visibilité d'établissement, reconnaissable avec le chapeau académique, eh bien vous êtes assuré que seuls des membres de l'établissement puissent accéder à vos ressources. Puis finalement, si vous êtes Vous voulez être sûr, pardon, d'être le seul à y accéder, vous allez choisir tout en bas le niveau de visibilité privée avec le cadenas. Là, vous êtes sûr que personne d'autre que vous n'accède aux ressources. Je passe rapidement sur équipe privée et équipe privée renforcée, car c'est ce que nous allons voir dans une seconde vidéo de la formation de niveau 2, la formation de perfectionnement. Alors, je vais commencer par créer ma première collection en visibilité privée. Maintenant, je passe encore une fois sur le bouton Faire équipe. Nous allons finir de créer notre collection en choisissant, eh bien, une image de couverture. Et quand on clique sur Remplacer l'image, nous avons deux options. Soit nous pouvons choisir une image que nous avons déjà sur le disque dur de notre ordinateur. Soit nous allons choisir, eh bien, de demander à Pearl Trees d'aller rechercher sur le web une image qui sera donc uniquement libre de droit. Pearl Trees vous propose ce moteur de recherche intégré avec uniquement des images libres de droit. Et vous voyez, là, il est venu chercher mon titre pour me proposer des images en rapport. Donc, je choisis une image et c'est bon. J'ai fini de paramétrer ma collection avec mon titre, mon éditorial, mon niveau de visibilité et mon image. Et je peux cliquer sur Ajouter en bas à droite pour finir la création de la collection. Je clique dessus, on voit donc que cette collection apparaît bien en haut à gauche de mon compte Pearl Trees. Bien sûr, elle a le titre que j'ai choisi, l'image également, et on va bien retrouver en bas à gauche le pictogramme en forme de cadenas et le chiffre 0 pour indiquer que c'est une collection vide. Je vais maintenant cliquer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Comme tout à l'heure avec la boîte terminale, on va rentrer dans la boîte La crise de 29, cette nouvelle collection, on retrouve le titre tout en haut et on retrouve en dessous du titre des informations très importantes, notamment la personne qui a créé la collection, son niveau de visibilité, la date de création ou de dernière modification, ou bien encore le nombre de ressources à l'intérieur. Pour l'instant, vous voyez, on a en effet une collection vide avec donc le gros bouton plus au centre et on voit aussi, eh bien, l'éditorial qui apparaît tout en haut ici. Alors naturellement, cette collection est vide et on va avoir envie de tout de suite commencer à ajouter des ressources. Et la première chose qu'on a envie de faire intuitivement, c'est de cliquer sur le bouton plus. Et c'est une bonne intuition. Bien sûr, on peut cliquer sur le bouton plus et là-haut, choisir d'ajouter du manuel granulaire, ajouter une page web ou ajouter même un fichier de son ordinateur. C'est une très bonne méthode de fonctionnement. Vous pouvez toujours utiliser le bouton plus pour créer, pour ajouter des ressources. Mais moi aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer des raccourcis qui vont vous permettre d'aller plus vite dans la création de ces ressources. Parce que bien entendu, en tant qu'enseignant, si vous vous lancez sur Pearl Trees, vous avez peut-être sur vos ordinateurs déjà énormément de ressources, beaucoup d'activités, de cours, d'exercices, hein, peut-être des formats de fichiers très différents que vous avez, je pense, à sur votre ordinateur dans des dossiers, peut-être dans des sous-dossiers pour pouvoir les retrouver. Eh bien, on va avoir un raccourci sur Pearl Trees pour les ajouter très rapidement sur votre compte. Alors cela va s'appeler ce qu'on appelle le glisser-déposer. Donc je sors juste de mon plein écran pour vous montrer mon fichier, enfin pardon, mon sélectionneur de fichiers tout en bas. Donc vous voyez, je suis sur mon ordinateur, je vais chercher ici le dossier qui s'appelle cours. Donc je clique sur cours, je vois qu'à l'intérieur j'ai un PDF et un fichier Word. Alors pour l'ajouter en fait directement sur Pearl Trees, je vais simplement glisser-déposer ce dossier depuis mon ordinateur. Je vais prendre le dossier et le glisser-déposer et je le relâche une fois qu'il est sur Pearl Trees. Automatiquement, Pearl Trees va venir créer une collection pour le dossier et à l'intérieur, on va retrouver bien sûr une perle pour chaque fichier qui était dans le dossier.
Donc bien sûr, si vous prenez un fichier très grand, tant qu'il ne fait pas plus d'un téra, vous allez pouvoir le prendre et le glisser-déposer dans PearlTrees pour automatiquement récupérer le contenu sur PearlTrees. Hein. Pas besoin de recréer manuellement chacune des perles et des collections. Donc vous voyez, moi je retrouve bien mon PDF ici et mon fichier Word qui est là. Et petit aparté, quand vous sélectionnez un fichier Word que vous avez ajouté sur PearlTrees, c'est vrai pour tous les documents de la suite Office. Si vous voulez le modifier directement en ligne sans avoir besoin de licence, vous allez cliquer sur le bouton Éditer, juste ici, hein, le même que pour les collections. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de modifier avec Office Online ici, ce qui vous permet, eh bien, de modifier en ligne sans avoir besoin de licence encore une fois un document. Encore une fois, je ne suis pas en lecture seule. Je peux écrire sur le document bien sûr, et je suis toujours RGPD. C'est un outil qui est hébergé sur les serveurs PearlTrees et qui permet de faire de la modification de documents Office facilement. Et bien sûr, vous voyez, c'est enregistré dans PearlTrees. Donc bien sûr, on pourrait imaginer plusieurs élèves en écriture collaborative connectés en même temps sur le même document qui pourraient réaliser ces modifications. Alors je vais revenir en cliquant sur cette fenêtre. Vous aurez compris qu'il va être très rapide pour vous d'aller chercher ces documents ou même ces dossiers. Ça va être très puissant de chercher un dossier entier et de l'ajouter sur PearlTrees. Alors c'est un premier raccourci pour donc chercher les documents que vous avez déjà sur vos ordinateurs. Mais une autre des ressources, ça c'est prisé des enseignants, c'est eh bien la ressource qui provient d'Internet. Alors ça peut être une vidéo, ça peut être un article ou une activité interactive. Il y a beaucoup de ressources comme ça, très prisées des enseignants, que vous allez pouvoir ajouter facilement sur PearlTrees. Avec donc un autre raccourci, nous voyons donc encore des raccourcis du bouton plus, car on peut toujours faire ces manipulations via le bouton plus. Mais là, pour une page web, on va pouvoir aller encore plus vite que via le bouton plus. Ça va être à l'aide d'un outil qu'on appelle une extension navigateur. Vous savez, c'est cette petit outil qui va s'ajouter à un navigateur internet. Nous vous conseillons de passer sur Mozilla Firefox ou Google Chrome pour utiliser cette extension. Et elle va donc rester sur votre navigateur. Donc quand vous allez vous balader sur internet, vous allez toujours avoir votre extension PearlTrees avec vous pour eh bien, aller chercher n'importe quel contenu, une vidéo, un article ou un exercice et l'ajouter sous forme de perle dans PearlTrees. Alors pour installer cette extension navigateur, c'est très simple, c'est une procédure qui est intégrée dans vos comptes PearlTrees. Il suffit d'aller voir dans la partie inférieure gauche de votre écran, vous avez le bouton Outils, juste ici avec une étoile blanche dans un rond blanc. Quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver ici le Web Clipper en bleu foncé, et en cliquant dessus, il va vous proposer d'installer le Web Clipper. Vous pouvez encore une fois cliquer dessus, et en fonction que vous soyez sur Chrome ou sur Mozilla Firefox, vous allez avoir un panneau différent. Moi ici, j'ai juste à ajouter à Chrome, puis à faire ajouter l'extension ici. Une fois que c'est fait, l'extension va s'ajouter, vous voyez ici en haut sur ma barre de navigateur, et on voit que l'icône disparaît derrière cette pièce de puzzle. Je vous invite donc à cliquer dessus. C'est la même sur Mozilla Firefox. Vous voyez, vous retrouvez PearlTrees Extension juste là. Je vous conseille encore une fois de cliquer sur la petite épingle juste là pour qu'elle s'épingle justement, pardon, juste ici en haut à droite de notre écran, et elle va pouvoir nous servir dès qu'on est sur une page internet. Et on va tout de suite voir à quoi ça sert. On va donc, eh bien ici, créer un nouvel onglet et je vais aller sur une page YouTube et chercher une vidéo sur le crack de 1929, par exemple. Je cherche donc cette vidéo que je vais ouvrir sur YouTube. Je vais donc avoir envie de l'ajouter directement sur mon compte PearlTrees. Déjà, on a de la publicité, comme vous pouvez le voir. Je la mets en pause, je vous l'épargne. Mais on a cette publicité et on a des suggestions aussi en haut à droite, qui ne sont pas forcément très importantes et surtout peut-être même dangereuses pour les élèves auxquels on va les exposer. Donc pour ajouter cette vidéo dans YouTube, dans PearlTrees, pardon, on va simplement cliquer sur la petite étoile PearlTrees en haut à droite. Ici, notre extension qu'on vient d'ajouter, on va faire un premier clic dessus. Cela va avoir pour effet d'ouvrir ce panneau. C'est une arborescence de notre compte PearlTrees. On retrouve, vous voyez, la crise de 1929, mes trois collections par classe, ainsi que toutes les collections de mon compte. En fait, c'est simplement PearlTrees qui me demande à quel endroit j'ai envie de ranger cette nouvelle ressource. Par exemple, si je voulais la ranger dans Terminal, je pourrais même aller profondément dans un chapitre en particulier pour y déposer vraiment ma ressource. Alors c'est pas ce que je vais faire ici, je vais refermer cette boîte et je vais ranger ça dans la crise de 1929. Donc mon seul deuxième clic, c'est de cliquer dessus. Je clique dessus et vous voyez, c'est fait, cette page est dans la crise de 1929. Je ferme et je peux continuer à travailler sur Internet. Mais le jour où je vais revenir sur mon compte PearlTrees, vous voyez, je vais fermer cet onglet, je vais revenir sur ma page, je vois qu'automatiquement est générée une nouvelle perle.
Et cette perle, en fait, c'est ma vidéo YouTube qui est naturellement venue s'ajouter sur Pearl Trees, l'idée étant de pouvoir la lire directement depuis la plateforme, et ce sans publicité. Vous voyez, je vais cliquer dessus et je lance directement la lecture de ma vidéo sans la pub du début, qu'on ne peut pas passer. Donc, je vais mettre sur pause, et vous voyez, c'est un premier intérêt du web clipper, le deuxième étant bien sûr que comme n'importe quelle perle dans Pearl Trees, maintenant qu'elle est dans Pearl Trees, je peux par exemple modifier ce titre. Simplement en cliquant dessus, je vais pouvoir changer le titre du document et notamment l'appeler peut-être document numéro 1 si je veux l'intégrer dans une séquence d'études de documents qui serait peut-être plus large. Donc là, je vais cliquer sur OK en bas à droite pour ajouter et pour valider la modification du titre de ma perle. Vous voyez, pour un élève, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Voilà un deuxième raccourci pour eh bien, ajouter facilement des ressources dans vos comptes Pearl Trees. Donc bien sûr, ça fonctionne sur YouTube, mais ça fonctionne aussi sur des articles, sur des pages Wikipédia. Si c'est le texte que vous voulez et que vous voulez être capable de le modifier, Pearl Trees va venir extraire le texte et vous faire une perle note dans Pearl Trees. Si vous êtes sur Genially, sur Moodle ou sur GeoGebra, vous allez également simplement utiliser le Web Clipper pour ajouter la ressource directement dans Pearl Trees. Je vous invite vraiment à le tester directement chez vous. Alors bien sûr, Pearl Trees, ça fonctionne très bien sur Internet, comme on le voit ici tout de suite, mais ça fonctionne également sur une application mobile et tablette. Vous savez, on l'a vu tout à l'heure, et je vous propose de directement, eh bien, passer à l'écran de mon téléphone pour pouvoir, eh bien, vous présenter justement à quoi, eh bien, va ressembler cette application Pearl Trees. Sur le téléphone et bien sûr sur la tablette. Alors bien sûr, ça fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Vous allez pouvoir très facilement passer de l'un à l'autre sur une tablette ou sur un téléphone. Et vous allez tout de suite voir mon compte Pearl Trees qui va apparaître sur votre écran. Le voici. Je le mets en grand et je vous montre donc mon compte Pearl Trees, le même que tout à l'heure, mais en version téléphone. Vous voyez, je peux bien sûr parcourir mon compte et bien sûr cliquer sur chacun des éléments pour m'y plonger et retrouver toutes mes ressources. Vous avez les mêmes fonctionnalités sur l'application que eh bien, sur la page web. Donc bien entendu, ça va être intéressant de retrouver les mêmes fonctionnalités, mais le téléphone étant un petit peu différent d'un ordinateur, a aussi des capacités en plus. Et notamment, si vous voyez, le bouton plus a un peu changé d'endroit, il est tout en haut à droite, et si vous cliquez dessus juste ici, vous allez avoir quelque chose de nouveau. C'est, vous voyez ici, l'appareil en jaune. Et en effet, si vous cliquez dessus, vous allez facilement pouvoir mettre à contribution le téléphone pour eh bien, ajouter une photo de la pellicule, ou encore ajouter un fichier audio, prendre une photo ou une vidéo. Et très rapidement, eh bien, vous allez pouvoir, bien sûr, prendre une photo et l'envoyer directement sur Pearl Trees. Vous voyez, automatiquement, je retrouve bien ma photo qui apparaît ici. Alors, je vais repasser sur la version web pour vous montrer que les deux sont tout à fait synchronisés. Vous voyez, je vais remonter sur Monsieur Pierre et on voit bien ici la photo que je viens d'ajouter qui s'est ajoutée dans le compte. Alors je vais la supprimer, ça va également me permettre de vous montrer comment supprimer un élément. Vous ne le savez peut-être pas, vous avez peut-être tenté de chercher un bouton supprimer dans Éditer et vous ne l'avez pas trouvé. En effet, il n'y a pas de bouton supprimer, mais il y a une poubelle en fait en bas à droite de votre écran. Vous voyez, nous avons cette poubelle ici, et il suffit donc de glisser-déposer un élément dans cette poubelle pour le supprimer. Par exemple, ici, je prends ma perle et je viens la glisser-déposer dans la poubelle en bas à droite. Quand je relâche, c'est bon, ma perle a été supprimée. Bien sûr, je peux venir recliquer dessus pour récupérer la perle supprimée, bien entendu. Cela va avoir pour effet, si on récupère la perle supprimée, de l'ajouter dans notre panier. Vous savez, c'est cette zone de dépôt qui est en bas de votre compte, peut-être l'avez-vous déjà vu, et qui va vous permettre, eh bien, notamment d'épingler et de garder en main des éléments. Vous voyez, j'ai ma photo qui réapparaît dans ce panier en bas, je peux venir la chercher et la remonter dans mon compte. Alors là, je ne vais pas le faire, je vais la remettre à la poubelle, et bien sûr, le panier peut être pratique pour déplacer un élément. Par exemple, si je veux déplacer ces deux perles, je peux les mettre dans mon panier et elles vont me suivre au fil de mes déplacements dans Pearl Trees pour être, par exemple, mise à un autre endroit comme ici. Je vais les garder dans mon panier et revenir en arrière pour les replacer où elles étaient originellement. Nous avons donc la possibilité d'ajouter facilement des documents de son ordinateur, d'Internet. On a aussi la possibilité d'utiliser son téléphone comme une autre ressource pour ajouter du contenu.
Et on va avoir eh bien, deux dernières autres manières eh bien, d'ajouter des ressources, mais celles-ci se trouvent directement sur Pearl Trees. Parce qu'en effet, là, on est allé chercher eh bien, du contenu à l'extérieur, mais Pearl Trees en soi est une base de données, tout simplement parce que c'est une base d'échange et de collaboration. Tout d'abord, envers un grand public hein, dans le monde entier, mais surtout au niveau de l'éducation en France. Et donc, vous allez avoir de nombreux utilisateurs sur Pearl Trees qui décident volontairement de publier leur collection au plus grand nombre, en choisissant la visibilité publique. Hein. Vous savez qu'on avait vu tout à l'heure, hein, on pouvait choisir la visibilité publique pour pouvoir partager au plus grand nombre. Et donc vous, bien sûr, en tant qu'enseignant, hein, même si vous décidez de garder toutes vos collections privées, vous allez pouvoir utiliser la barre de recherche en haut à droite de votre compte pour faire justement une recherche sur Pearl Trees et voir si vous ne trouvez pas des ressources qui pourraient vous servir. Alors vous avez une loupe juste à gauche de cette barre de recherche. En cliquant dessus, vous ouvrez eh bien, un menu déroulant. Vous voyez, vous pouvez établir différents niveaux auxquels vous allez effectuer votre recherche, soit simplement au niveau de votre propre compte, hein, si vous commencez à avoir plein de ressources, vous allez peut-être avoir envie de chercher une perle en particulier, vous ne savez peut-être pas toujours où vous l'avez rangée. Vous allez pouvoir chercher eh bien, une ressource simplement au niveau de votre établissement, en sélectionnant ici votre établissement. Vous pouvez aussi faire une recherche, pardon, au niveau de la région ou de tout Pearl Trees. Et c'est ça qui va m'intéresser tout de suite, c'est la recherche dans tout Pearl Trees avec la planète, car ça va être la recherche la plus étendue. Vous allez chercher parmi tous les contenus publics de Pearl Trees. Donc c'est ce que je vais sélectionner ici. Vous voyez, je fais une recherche dans tout Pearl Trees et je vais rentrer un mot-clé, par exemple l'impact de la crise de 1929. Et je vais cliquer sur Entrée, comme sur un navigateur Internet. À ce moment-là, Pearl Trees va venir rechercher dans sa base de données et me proposer des collections en lien avec le mot-clé que j'ai choisi. Si je zoome sur toutes ces collections qui sont proposées par Pearl Trees, j'ai plusieurs informations pour un petit peu les consulter. Tout d'abord, on voit qu'elles sont toutes publiques. J'ai bien le pictogramme des planètes toujours en bas à gauche de chaque collection, donc chaque enseignant a décidé qu'elles soient publiques. Hein. Il aurait pu la mettre en privé si ce n'était pas le cas. Alors juste ensuite, on a le chiffre, vous savez, avec le nombre de perles à l'intérieur. Donc ça peut permettre de savoir si une collection est plus ou moins dense, plus ou moins pleine de ressources. Et après, vous avez notamment le nombre de vues d'une collection. Ici, 3700 vues à côté de l'œil. Ici, simplement 430 vues. Alors par exemple, je vais choisir cette perle-ci qui me semble assez, enfin cette collection, pardon, assez bien remplie. Donc vous voyez, je peux en effet consulter l'entièreté de la collection de cet enseignant. J'ai son nom ici, hein, qui est toujours la source, bien sûr, du contenu. Et donc je peux, moi, si je veux, décider eh bien, de prendre cette collection et de l'ajouter dans mon compte tel quel afin de garder un raccourci vers le travail de cet enseignant. Afin que s'il décide par la suite de le mettre à jour, eh bien, je sois tenu au courant. Alors pour s'abonner à son contenu, c'est comme ça que ça s'appelle sur Pearl Trees, vous allez cliquer sur le bouton plus à droite du titre de sa collection. Vous voyez, le bouton plus est un petit peu différent avec ces petites vagues, hein, parce que ce n'est pas votre contenu, mais vous allez quand même pouvoir l'ajouter dans votre compte en cliquant ici, puis encore une fois en cliquant sur la collection dans laquelle vous voulez ranger cette ressource. Par exemple ici, la crise de 29. Donc vous voyez automatiquement, j'ai un raccourci dans mon cours vers le cours de cet enseignant. Je peux y accéder directement ici et revenir en arrière. Donc bien sûr, c'est un raccourci vers sa collection. S'il la modifie, ce sera modifié de mon côté. Mais il se peut néanmoins que vous ayez, en vous baladant dans sa collection, envie de récupérer certaines ressources. Par exemple, on va dire que cette activité 2 me plaît plus qu'une autre et j'aimerais en créer une copie chez moi. Bien sûr, ce sera possible. Vous voyez, à chaque fois que je passe ma souris sur une ressource, j'ai le bouton bleu, plus, qui apparaît juste ici en bas à gauche. Vous voyez, il apparaît là. Et quand vous cliquez dessus, vous allez en fait créer une copie de cette ressource dans votre propre compte. Par exemple, ici, dans cette collection, je vais créer une copie de cette ressource. Et bien sûr, une fois qu'elle est en copie chez moi, je suis en mesure, par exemple, de modifier le titre si je veux. Cela ne n'aura pas d'impact sur la collection et sur la perle de l'enseignant qui l'a créée. Hein, bien sûr, dès que je crée une copie et que eh bien, je l'intègre à ma séquence, je la personnalise, eh bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est modifié chez l'enseignant. Vous voyez, j'ai ici appelé la crise de 29 au lieu de la crise de 1929. Si je reviens dans la collection du prof, bien entendu, cette perle aura toujours le même nom et sera toujours au même endroit. Hein, je viens juste créer une copie chez moi. Donc bien sûr, Pearl Trees en soi est une énorme base de données de ressources et je vous invite vraiment à les tester en mettant des mots-clés dans cette barre de recherche. Pour finir sur le bouton d'ajout, le bouton plus pour ajouter toutes ces ressources, je veux finir par vous parler d'un type de ressources eh bien, qui est à la base du travail des enseignants.
mais duquel on n'a pas encore parlé pour l'instant, c'est bien le manuel. Alors en effet, les manuels papier ou les manuels numériques sont des ressources que les enseignants utilisent, mais en général, les enseignants n'utilisent jamais 100% de leur manuel. Vous allez toujours sélectionner quelques activités que vous allez adapter, personnaliser, pour qu'elles s'intègrent bien sûr dans votre séquence de cours. Donc bien sûr, ça va être intéressant, en cliquant, vous savez, sur le bouton Ma bibliothèque en haut à gauche de votre écran, d'avoir toutes ces ressources accessibles directement dans son compte Pearltree, vu que ça va être votre bureau numérique où vous allez construire vos séquences. Donc en cliquant sur Ma bibliothèque en haut à gauche, moi avec mon compte Pearltree, j'ai accès bien sûr à tous les manuels, mais bien sûr, dans cette bibliothèque, vous allez trouver les ressources qui vous concernent. Donc soit les ressources éditées et publiées par vos collectivités territoriales, on en retrouve des exemples ici, ou bien des manuels des éditeurs que vous avez achetés au format granulaire, donc c'est un autre format numérique, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble, et vous voyez, vous avez pour le lycée général par exemple Nathan et Bordas, pour le collège Belin Éducation et pour le lycée professionnel, notamment Le Génie et Fontaine-Picard. Alors, nous essayons d'avoir de plus en plus de références de manuels en version granulaire, car nous pensons que ça apporte une vraie plus-value pédagogique et on va voir ça tout de suite. Par exemple, si je prends le manuel Nathan, je vais aller prendre par exemple le manuel d'anglais. Je retrouve bien Shine Bright, seconde, première, terminale. Et en prenant le manuel seconde, on va voir à quoi ressemble un manuel granulaire. En fait, c'est un manuel dans lequel on a découpé chaque ressource pédagogique pour en faire une unité, qu'après, bien sûr, on a organisé dans des collections. Donc, vous l'avez compris, on a en fait découpé un manuel en perles et en collections. Et donc, vous voyez ici, dans le Shine Bright seconde, on retrouve nos différentes séances de cours. Et à l'intérieur, toutes les activités ont été découpées en collections. Vous voyez ici, par exemple, si on va chercher la première activité, on va retrouver plusieurs ressources. Du vocabulaire, par exemple ici, des photos, une vidéo ici. Et on va tout retrouver sous forme de perles au même endroit sur Pearltrees. Des questions, bien sûr, des fiches de vocabulaire. Et ce principe permet aux enseignants, eh bien, de faire leur choix, par exemple, de choisir ce document, de le mettre dans mon panier, de prendre cette image, d'également la mettre dans mon panier. Et de finalement prendre ce fichier audio. Je prends ces trois éléments, et moi en tant qu'enseignant, je vais passer donc de ma bibliothèque et je vais revenir sur mon bureau numérique. Je reclique sur mon bureau numérique, je reviens sur ma collection et je vais donc ajouter mes ressources directement. Bien sûr, une fois qu'elles sont ajoutées dans ma collection, je vais pouvoir cliquer dessus et bien sûr les modifier. Toutes les perles manuelles sont éditables. Et donc bien sûr, on pourrait l'appeler document numéro 2, par exemple, si on veut bien, eh bien l'intégrer dans la séquence de cours. Hein, vous voyez, ça donne tout de suite un petit peu plus de sens. Donc je vous invite à utiliser ce bouton plus pour ajouter pardon, des perles de manuels granulaires également. Donc vous voyez, nous commençons à avoir une collection bien remplie maintenant. Il s'agirait maintenant de mettre de l'ordre avant de la partager bien sûr aux élèves. Nous allons désormais passer à la dernière partie de cette formation de prise en main qui va consister à travailler sur le bouton éditer en forme de calepin et de stylo, toujours à droite du titre d'une collection ou d'une perle, et qui va servir à modifier tous les éléments qu'on a ajoutés dans un premier temps. Alors on l'a déjà vu, mais je vais le remontrer rapidement. Pour modifier une perle, par exemple cette vidéo YouTube, il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur le bouton éditer au niveau de la perle. On va pouvoir donc modifier la perle ici. On va donc pouvoir modifier via ce panneau le titre, on l'a déjà vu. On pourrait changer l'image et même écrire du texte en dessous. Par exemple, des questions. Alors, si vous voulez, eh bien, avoir des options de modification de texte plus précises, vous avez cette suite de boutons ici qui vous permet, par exemple, si vous cliquez sur la photo de votre profil juste ici, de réaliser des modifications avec marque. Par exemple, pour de la correction, cela peut être très pratique de pouvoir noter, eh bien, trace de son passage. On reclique sur le calepin pour repasser en mode d'édition sans marque, qui permet donc de modifier sans trace de son passage. On peut bien entendu ajouter des photos supplémentaires ou rédiger des équations en langage AssyMath ou LaTeX pour les professeurs de matière scientifique. Nous pouvons bien entendu mettre en forme ce texte à l'aide de boutons pour mettre en gras, en italique, pour souligner les éléments. Pour valider toutes les modifications que vous avez réalisées sur une perle, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton OK en bas à droite de la perle. Toutes les modifications vont être
valider et vous allez pouvoir revenir dessus à l'aide d'un raccourci. Vous accédez au bouton de modification d'une perle simplement en cliquant sur le titre. Vous vous retrouvez dans ce panneau de modification. Alors bien sûr, en modifiant une perle, on peut également restaurer sa version originale quand elle provient eh bien d'Internet. On peut également déplacer la perle ou la dupliquer pour créer une copie exacte de cette perle à peut-être un autre endroit de son compte. Nous allons donc pouvoir modifier les titres et les images de chaque collection, de chaque perle, et donc les agencer pour créer du sens dans la collection et donc la rendre plus attirante, plus attrayante pour les élèves. On va organiser, hiérarchiser les ressources pour qu'ils s'y retrouvent plus facilement. Et donc bien sûr, ça va se passer au niveau de la perle seule, d'avoir un titre et une image qui correspond à son contenu, mais également au niveau de la collection. On va avoir envie de donner une présentation à notre collection qui va avoir du sens pour notre élève. On va donc bien sûr avoir le bouton d'édition également ici au niveau de la collection, mais avec eh bien sûr plus d'options car tout simplement une collection eh bien, est composée de plus de paramètres. Donc bien entendu, on peut toujours modifier le titre de sa collection ou son éditorial et on peut également ajouter une section. Alors je vais vous montrer à quoi sert la section. Je vais cliquer dessus et créer une section que je vais appeler document. Je vais valider le titre en cliquant sur OK en haut à droite, en bas à droite et je vais donc récupérer cet objet que je peux déplacer aussi à l'aide du glisser-déposer. Vous voyez, c'est une genre d'intercalaire qui va servir à séparer les ressources et donc à mieux les agencer. Par exemple, il s'appelle document, donc je vais ajouter mon document 1, mon document 2, également ce document que je vais pouvoir donc modifier pour l'appeler document 3 plutôt. Et je vais retirer par exemple cette liste de vocabulaire. Je vais répéter l'opération en cliquant sur Éditer, puis Nouvelle section, et je vais cette fois écrire Cours. Je vais donc ajouter une section de cours où je vais mettre mon élément de cours, le cours du professeur. Je vais simplement le mettre tout en bas. Vous voyez, je le mets tout en bas, ça crée naturellement une nouvelle section. Et en cliquant ici, je vais choisir le titre. Je vais appeler Ressources complémentaires. Ça viendra en plus de ma séquence de cours. Vous voyez, à l'aide de ces sections, j'ai tout de suite donné plus d'ordre et plus de sens à ma collection en simplement hiérarchisant et en ordonnant les ressources. Bien entendu, on va pouvoir aller encore plus loin dans cette personnalisation et dans cette édition de collection en personnalisant que ce soit l'image de couverture ou l'image de fond de votre collection. Vous savez, vous pouvez mettre une image de fond et vous pouvez régler sa transparence. Est-ce qu'on va plus ou moins voir l'image de fond? On va également pouvoir jouer sur la taille de nos perles. Si on veut par exemple faire de la projection en classe, on va peut-être être tenté d'augmenter d'un cran, par exemple, la taille de nos perles. Vous voyez, on se retrouve avec des perles un petit peu plus grandes. Si je continue sur le bouton éditer, c'est aussi ici que vous allez pouvoir modifier donc le niveau de visibilité, quelque chose qui n'existe pas au niveau de la perle. La visibilité ne s'établit qu'au niveau d'une collection. Et donc en cliquant ici, on va pouvoir passer d'une visibilité à l'autre. On peut, comme sur une perle, déplacer et dupliquer une collection. On va également pouvoir créer un raccourci si on veut placer une autre porte d'entrée vers cette collection à un autre endroit de son cours. On peut finalement transformer une collection en section directement et finalement exporter une collection en un clic, parce que bien sûr on va pouvoir ajouter facilement des ressources sur Pearltrees, mais il va être aussi facile pour vous de faire le chemin inverse et donc de cliquer sur ce bouton pour recréer un dossier sur votre ordinateur composé des perles qui vont se retransformer en fichiers sur votre ordinateur. Voilà donc les boutons d'édition, que ce soit sur la collection ou sur la perle, qui vont vous permettre de mettre en forme et de transformer cette séquence de cours en une collection attrayante pour vos élèves, avant de donc pouvoir leur partager. Nous arrivons presque à la fin de la formation de prise en main à Pearltrees, qui nous a vu eh bien, apprendre à créer et à personnaliser nos premières collections à l'aide simplement du bouton plus et du bouton éditer en forme de calepin qui permettent successivement d'ajouter et de modifier les perles et les collections sur Pearltrees. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais néanmoins vous parler de quelques boutons qui vont eh bien, vous être très pratiques sur Pearltrees. Ce sont les boutons que vous voyez en bas à gauche de votre écran.
Si je zoome sur cette partie de mon écran, nous avons déjà utilisé le bouton outil tout à l'heure pour installer le web clipper, et les deux boutons d'aide qui m'intéressent sont ceux juste à côté. Tout d'abord, vous voyez le bouton question avec un gros point d'interrogation, vous permet quand vous êtes bloqué de directement poser une question. Alors vous cliquez dessus, puis trouvez la réponse à ma question. Vous avez alors le choix entre une foire aux questions assez classique, hein, aux questions eh bien, auxquelles on a souvent répondu, donc on a mis cette liste de questions directement accessible, et sinon vous pouvez cliquer sur envoyer un message, et cela ouvre un fil de discussion directement entre vous et nous. Hein. Nous sommes assez peu nombreux dans l'équipe Pearltrees à accompagner les enseignants, et il n'y a pas de service après-vente. Hein. Tout ce que vous écrivez sur ce chat est lu et répondu, bien sûr, toujours dans la journée, c'est directement nous qui nous en occupons. Donc voilà, sentez-vous très très libre, bien sûr, de nous poser une question dans ce chat dès que vous en ressentez le besoin. Donc en plus de ce bouton question qui vous permet bien très facilement d'accéder à l'équipe Pearltrees, vous avez juste à côté le bouton guide. Le bouton guide est une énorme collection que nous chez Pearltrees nous mettons à jour en permanence et que nous vous mettons eh bien à disposition. Donc vous cliquez sur le guide, puis accédez au guide. Vous vous retrouvez alors sur cette collection, Pearltrees Éducation, avec plusieurs collections. Alors les premières collections sont les collections du moment avec les nouveautés du guide, les nouvelles fonctionnalités et notamment le calendrier des formations. Donc bien sûr, chaque enseignant peut individuellement accéder à ce calendrier des formations et s'inscrire, par exemple ici en formation, pour apprendre à utiliser la plateforme. Si après avoir vu cette vidéo, vous vous sentez le besoin de venir en formation pour poser vos questions et pour pratiquer en direct avec nous, vous pouvez par exemple ici vous inscrire directement en formation niveau 1 de prise en main, celle que je viens de détailler dans cette vidéo, simplement en cliquant sur le lien juste ici. Ça fonctionne un petit peu comme sur Doctolib. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur notre calendrier et vous pouvez choisir n'importe lequel des créneaux disponibles pour vous inscrire individuellement et bien sûr gratuitement à n'importe quel créneau de formation. En plus, bien sûr, de ce calendrier de formation que je vais refermer et dont je vais sortir, vous retrouvez également de nombreux tutoriels, hein, exactement dans cette deuxième ligne de collection, Je me forme. Notamment ici, une collection très intéressante que je vous invite à partager et à consulter, J'initie ma classe, qui va vous aider, eh bien, à travailler avec justement vos élèves directement sur Pearltrees. J'espère en tout cas que cette vidéo tutoriel vous aura aidé à prendre en main la plateforme Pearltrees. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter directement, nous vous ferons un plaisir de vous aider. À très vite sur Pearltrees.